Merde, j'ai gardé mes lunettes. Ça va, je suis pas non plus une blogueuse ou une youtubeuse mode et beauté. Hein. Pourquoi pas un code promo pour mes lunettes aussi. Je vais avoir des commentaires du genre femme à lunettes. Femme à lunettes. Femme qui a une vue moyenne. Bref. Alors, je suis pas fan des distinctions de morphologie. Elle a une bonne morphologie, elle a une bonne génétique. Ou il a une superbe génétique, c'est trop facile pour lui. Ou etc, etc. Parce que c'est ce qui fait que souvent, certaines personnes vont se reposer sur leurs acquis et pensent ne plus pouvoir progresser à cause d'une certaine morphologie ou d'une certaine génétique. On va attendre que Tom Cruise passe avec son avion. Or, ce qu'il est intelligent de faire, c'est de s'entraîner en fonction de sa génétique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il est vrai que certaines personnes vont mieux supporter et mieux réagir à une certaine quantité et à un certain volume d'entraînement, et d'autres un peu moins. Mais cela n'empêche pas la progression, et cela n'empêche pas de devenir une machine de guerre, ma gueule. Comment donc définir ton potentiel génétique? Comment savoir si tu as une bonne génétique? Comment savoir si dès la naissance tu as été béni des dieux Hercule? Et je sais pas qui, ou si ça s'est un petit peu moins bien passé côté génétique. Je vais te donner 3 techniques pour savoir si tu as une bonne génétique ou pas. Alors la première technique, c'est la circonférence de ton poignet, ma gueule. Tu vas prendre un petit double décimètre, ok, qui se plie, tu sais, comme ils ont les couturiers, là, Jean-Paul Gaultier, tout ça, t'as vu, ma gueule. Et tu vas mesurer la circonférence de ton poignet. Pour les femmes mesurant en dessous de 1m57, on dit qu'elles ont une petite carrure lorsque la circonférence du poignet est inférieure à 14 cm. La carrure moyenne correspondrait entre 14 et 14,6 cm et une carrure large au-delà de 14,6 cm. Donc ça, c'est pour les femmes mesurant en dessous de 1m57. Pour les femmes mesurant entre 1m57 et 1m65, les petites carrures seront inférieures à 15,2 cm de circonférence de poignet. Les moyennes carrures entre 15,2 cm et 15,9 cm. Les larges au-delà de 15,9 cm. Pour les femmes mesurant maintenant au-delà de 1m65, comme moi, petite carrure inférieure à 15,9 cm, moyenne entre 15,9 et 16,2 cm, et les larges au-delà de 16,2 cm. Maintenant, passons aux hommes. Alors les hommes, généralement au-dessus de 1m65, les petites carrures correspondraient à une circonférence de poignet de 14 à 16,5 cm. Les moyennes entre 16,5 et 19 cm. Bref. Et les larges au-dessus de 19 cm. Voilà ce qui est pour la circonférence de ton poignet. Couloir aérien, couloir de nage, couloir d'avion, couloir de train, tout le monde. Numéro 2, le rapport 2D, 4D. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas du cinéma. Ne mets pas tes lunettes 3D, ma gueule. Non, ce sont le rapport entre les doigts, entre l'index et l'annulaire. Dis, je jure. Plus l'index est court par rapport à l'annulaire, plus cela signifie qu'il y a eu une exposition élevée à la testostérone avant la naissance. Merci papa, merci maman. Ah ben non, en fait non. C'est pas grave, on va faire avec, ma gueule. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais sache que c'est un indicateur qui est très fiable pour savoir la carrure d'une personne ainsi que son potentiel génétique. Plus l'index est long, plus l'index est court par rapport à l'annulaire, plus il y a eu exposition à la testostérone et plus on va faire des gains. Pouh ! Les études ont noté qu'il valait mieux regarder sur la main droite, car c'était là le meilleur indicateur. Et pour finir, il y a ton poids à la naissance. Est-ce que quand t'as vu à la naissance, on a dit « Oh, ben il se porte bien celui-là » Eh ben crois-moi, tu peux remercier Tata d'avoir dit ça. Parce que plus un bébé est lourd, et plus il aura de chances d'être musclé à l'âge adulte. La moyenne de poids d'un bébé correspond environ à 3,4 kg. Tout ce qui est inférieur à 2,5 kg est considéré comme un poids cliniquement faible. Voilà, alors voilà, maintenant tu sais si tu as un bon potentiel génétique. Si ce n'est pas ton cas, ce n'est rien de grave. Il faut juste que tu adaptes tes entraînements en fonction. En ayant un bon potentiel génétique, tu vas pouvoir supporter un plus gros volume d'entraînement. Tu auras sans doute une meilleure récupération. Cela ne veut pas dire que tu es une brêle si tu n'as pas un bon potentiel génétique. Il faut juste que tu travailles en fonction et que tu t'améliores, ma gueule, vers une amélioration constante et sans fin, vers l'infini et au-delà. Boum, tu vas devenir une machine de guerre, quoi qu'il arrive, cherche pas à comprendre. Maintenant, tu sais, tu as une bonne génétique ou pas, tu sais si papa c'est Hulk ou si maman c'est Blanche-Neige, ou si papa c'est Blanche-Neige et maman c'est Hulk, ou si... Si... Tiens, dis-moi d'ailleurs dans les commentaires quels ont été tes résultats, si tu as un bon potentiel génétique, ou si tu...
Ça va, Jackie? Tout le temps pendant les vidéos, toi? Ou si tu n'as pas été béni des dieux, Zeus, Hercule, Hercule Poirot? N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. D'ailleurs, je te remercie, je vous remercie. Nous sommes maintenant 10 000 sur Instagram. C'est extraordinaire. Même si, comme je te le dis, j'ai toujours privilégié la qualité à la quantité. Mais quand je lis vos messages tous les jours, je sais que je suis dans la qualité. Et ça, ça fait plaisir, ma gueule. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Good vibes. Oh, j'ai oublié de couper.